Qui décide en Algérie, c'est une question effectivement qui se pose dans toute son acuité aujourd'hui, où l'on voit que le président de la République est invisible et inaudible, où l'on voit que les convulsions à l'Assemblée nationale font que celle-ci est plus que jamais une coquille vide, une chambre d'enregistrement qui regroupe des clientèles du régime extrêmement passives et qui sont là pour entériner des décisions qui sont prises ailleurs, mais où est cet ailleurs et qui le constitue? Alors cet ailleurs, on sait bien qu'il y a quelques généraux particulièrement décisionnaires à la tête de l'armée, à la tête des services de sécurité, ou enfin en tous les cas de la police politique. Et on voit bien autour de ces généraux quelques hommes d'affaires qui ont un rôle plus ou moins visible, plus ou moins évident, mais qui sont de plus en plus audibles, eux, au contraire, sur les choix ou les orientations de l'Algérie. Donc, qui décide en Algérie? Probablement quelques généraux et quelques hommes d'affaires, quelques membres de l'entourage présidentiel qui sont là pour donner une apparence civile à un régime qui ne l'est pas. Oui, c'est probablement ces milieux-là.